Simpsons sehen, so random. Nur so. T'as déjà mangé Vietnam. J'oublierai pas ça. Non plus, hein. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai 30 VOD avant de celle-là à monter. Non, ça va, si je me mets le motif, je pourrais monter le truc que je suis en train de record là, mais. Bon, c'est déjà 3 heures de record, je crois déjà. Non, en vrai, on a commencé à jouer il y a 2h46. Moi, je suis à 2h28. Ouais, en fait, ça va. Ça va, toi. Tranquille. C'est quand même pas mal, 2 heures. Hein. Même beaucoup, hein, 2 heures. Hein. Oh, oui. Attends, le montage qui m'a pris un peu plus de temps, c'était Pokémon, je crois que j'avais tourné 3 heures. Ouais, tu m'avais dit que ça avait été super long. C'est plus long que j'avais fait. J'ai pris une après-midi entière, là, juste pour faire des cuts. Oh là, Stark, c'est long à se lancer, là. Enfin. Ouais, c'est ça qui est un peu chiant. Ah, par contre, le taux de follow aujourd'hui, c'est un délire. Hein. Minecraft, c'est, parce hein. Dit, c'est parce qu'on dit de la merde. C'est parce qu'il n'y a pas Zakaria aussi. C'est vrai. 7. Une petite partie de CS après. En vrai, moi je suis méga chaud. Hein. Ouais, on verra. Je vais peut-être aller faire une petite pause. Et à moins, en vrai, je fasse une sieste et je me réveille un peu plus tard. Bah, c'est pas 4h quand on est en train de dormir. Hein. Non, je suis à moins, je dorme jusqu'à. Et quelle heure là ? Minuit 11, bon, jusqu'à 1h du mat. Tiens, je me réveille. Y'a pas de queue. Après, je pense pas que je vais dormir quand même, mais. Pour revenir encore plus fatigué qu'il n'est parti. Juste des coups du vocal. Ouais, mais ça me réveille quand je suis en vocal. C'est vrai, pareil. Je vais essayer de voir monter 2-3 trucs déjà sur la vidéo là, au moins juste pour voir ce que ça fait, parce que ça fait longtemps que j'ai pas monté, ça me manque. Mmh. Oh yes. Oui, voilà. Je sais, mais laisse-moi un peu espérer là. C'est bien la seule chose que je peux encore me permettre. C'est vrai. Mais par contre, c'est vrai, les armures de tirailleurs. C'était un truc de fou ça. Ouais, non, c'était un délire. Hein. Full Gundam. Et celle que t'as, une fois que t'as commencé le jeu, tu ressembles à un pirate. Et celle d'après, c'est Jotaro Kujo. C'est vraiment une délire, les armures. Une délire. Une délire. Et à côté, t'as les femmes, toutes nues. Pierre, est-ce que t'es loin de chez nous ? Bah, je suis chez moi. Parce que j'ai une paire d'électrats de données, mais je te donnerai la prochaine fois. Ok. Par contre, allez. Les mages, c'est des elfes dans le jeu. Ouais, j'avais vu ça. Bon, je vous dis peut-être à tout à l'heure, mais c'est pas sûr. Eh mec, vas-y. Adios. Adios. Hop. Je comprends pas. De quoi ? Je suis en train de faire une autre machine. Faut que je récolte des fruits rouges et que je trouve Hérode. Juste une question pour toi. Dis-moi, mec. T'as déjà mangé un vietnamien ? Jamais, mec. Toi, mec, j'ai aussi un truc à te demander. T'aurais pas déjà mangé vietnamien par hasard ? Putain. Mais t'es trop drôle, t'es mieux que Snaptrox, toi. Fameux fanboy là, que tu es. Je vois pas de quoi tu parles. Hein. Fanboyisme à son total. On attend toujours la poupée, mec. Hein. Un jour je la mettrai. Le prince Tyraine vous envoie. Je ne reviens pas. Hop. Après bon, en vrai j'ai parlé des flows que j'ai aujourd'hui, ce qui est cool c'est qu'il y a des gens vraiment sympas qui sont passés. Et t'en as d'autres, il y en a quelques-uns, c'était les premiers sur Twitch pour du sub for sub en mode ah vas-y viens chez moi aussi. T'as regardé ce que je faisais ? Non, viens juste chez moi, fais pas chier. Après c'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Hein.
cette ferme. Mais ça la ferme pas. C'est rigolo ça. À l'aide. C'est tellement bien Lost Ark. Alors que Swotor. Mais vraiment, j'ai trop envie d'y jouer, sauf que bah. Je peux pas parce que déjà de 1 j'ai un Mac. Les pigeons iront bien. De 2, bah. Genre sur mon ancien PC. J'ai pas l'internet de chez ma père. À vous qui souffrez sous le règne du régent Chériste. Les jours de misère touchent à leur fin. Je jure de châtier l'usurpateur et de reprendre Château Luthéran. Quel soulagement! L'espoir renaît pour le Luthéran! L'espoir renaît pour le Luthéran. Attends, du coup. Bref. Putain, j'ai oublié un truc. Ah non, c'est bon. Vous voilà, aventurière. Voilà, aventurière. T'as trop hâte que Armel ait dit une méchant et qu'il nous trahisse là, c'est évident. Non, mais c'est du spoil. Non, j'ai jamais vu la suite du jeu. C'est juste que c'est évident. Le boug au moins de problème, il se transforme dans sa partie démon alors qu'il sait que c'est dangereux. Comme Hulk. Ouais, sauf que là, bon... Hulk, tu sais, il contrôle sa colère parce qu'il est tout le temps en colère. Là, le boug, littéralement, utilise une fois ses pouvoirs de prêtre, il est en mode « Oh non, ils ont ébouriffé mes cheveux !» Il se transforme en démon parce qu'il handle pas. C'est une victime, Armel. Je sais pas parce que je pourrais faire la construction. En vrai, trop bien que je bosse pas demain. Très content, comme ça je suis tranquille. Moi aussi, dommage, je bosse pas. Je récupère quoi? Examiner la pierre tombale sans nom. Alors je veux bien, mais elle est où ta pierre tombale sans nom? Oh merde, c'était un semi-élite ça. Ok, elle est là, mais il faut que je te dise, je vais aller d'abord. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Pour ma famille, pour mes amis, et pour les futurs enfants qui peupleront cette terre. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans la communication là? Guild. Chelou les gens dans le chat du jeu. Hein. Pourquoi ça discute de quoi? Genre, t'as déjà sniffé des pieds. Ça dit,
Ça dit this game is boring, when will they add more content? Donc quand est-ce qu'ils ajoutent du nouveau contenu? Ensuite, ajoutez-moi si vous aimez le solo leveling. Il y a un mec, il écrit France en enlevant le A, il met une étoile, il fait add if, si la France est cool, enfin est bonne. Ensuite, il dit ajoute-moi si t'es en train de te branler sur ce chat. Non, allemand. Ajoute-moi si tu penses que Tokyo Ghoul, l'anime de Tokyo Ghoul, enfin l'ending, il est nul. Chelou les gens. J'ai bien fait de. de pas m'intéresser tout simplement au jeu. Non mais après Pierre, ça c'est une phrase de merde ce que t'es en train de me raconter. C'est pas le chat qui fait le jeu, c'est le jeu. Chat, tu le dis pas. Ah oh, pardon, excuse-moi. Go kill yourself, motherfucker. C'est un Pierre, faut arrêter de te faire bully hein. Allez, faut attaquer hein. Faut choisir l'attaque hein. Comment saviez-vous que nous étions à court de fer? Mian allait s'en occuper. Go kill yourself, motherfucker. Oh là là, je m'en lasserai jamais quand même. Du go kill yourself, motherfucker. Après, il y a des connards partout. Hein. Nous avons perdu. En vrai, je reviens dans 10 minutes. Je vais faire une petite pause quand même parce que je suis un peu fatigué. Juste 10 minutes et j'arrive. Heureux. Toujours aussi crevé. Mais un peu moins quand même en vrai. J'ai le temps de reposer un peu mon esprit, ma tête. Après, de toute façon, ça va pas redurer longtemps. Hein. Le reste, je suis revenu, mais j'ai refait un peu de force. Oh les pierres, vraiment, je reviens sur une quête de pierres. Et voilà. Terminato. Sont dans le dos là. Pourquoi les lances sont-elles si lourdes? Parce que. Ah, Mokokos, j'ai jamais récupéré lui. What the fuck? What the fuck, j'ai jamais récupéré ce Mokokos. Quand je pense que je me suis. C'est donc vous qui avez sauvé le prince Tyrahine? Ouais. Votre réputation vous précède! Oh, dégagez votre PNJ. Pourquoi avez-vous essayé de me donner un coup de pied? Quoi? Il est bourré, lui. Bon, allez, c'est un peu mieux. Vous connaissez le chant de bravoure? Le chant de bravoure. Allez, on a obtenu un nouveau champ. Qui va servir pour un PNJ plus tard. Le champ de bravoure. Hop là. J'étais au courant avant même que vous veniez me voir. J'ai entendu les soldats fredonner le long du chemin. J'ai entendu les soldats fredonner. C'est terminé. Marc est incroyable. Marc est incroyable. Je n'aurais jamais pu en faire autant en si peu de temps.
Allez à l'Acus. Ah bah là on se rapproche de l'endroit où on a fini avec les potes. Ah l'Acus hein, ça qu'est-ce qu'on y a été? Vous êtes là, aventurière. Je suis arrivé ici avec le prince Tyrain. Et il vient de repartir pour le village de l'Acus en apprenant que l'ennemi était le père okay. Armel vous envoie. Le père Armel. Merci infiniment. Let's go. Ah oui, c'était là qu'on avait décidé de faire le... Oh merde. Faut que je fasse... Ah oui, les ours. Wait. La foudre. Contre la vague d'eau, elle est tellement forte. Ça va. Il y avait pas de quête sur le chemin en plus. C'est vraiment juste une belle ligne droite. Avec peut-être des mococos dans le coin, on regarde. Espèce de corogule là. Il est pas dans le coin là. Oh pas de grenade. Pas de grenade de mon coucou. Oh putain. Ah donc c'est que ça va ici hein. Hop là on arrive à l'Acus. Tout va bien au village. Tout va bien au village. I'm not sure about that. Allez, on va affronter des ennemis là, on va se régaler. Cela faisait longtemps, cher prince. C'est votre armée. Oh. Vous n'allez pas envoyer une telle bande contre les troupes de Sherisht, si? Le trône appartient à l'héritier légitime. On m'a rapporté que vous n'avez pas réussi à activer Victorieuse. Il est temps de nous remettre l'épée, de dissoudre ce gang et d'implorer pardon. On vous épargnera peut-être. Si Sherisht la veut tellement, qu'il vienne la chercher. Des mots aussi courageux qu'irréfléchis. Vous le regretterez, mon garçon. Allez, let's go. On ne tue pas un messager, aussi grossier soit-il. Oh, bonsoir bateau 007, comment vas-tu? Merci beaucoup pour le follow. Et bienvenue à toi. Oh, quelle pourriture arrogante! Ah nice, nice. Oh, moi tout va bien, je sors de... Est-ce que j'ai changé le titre? Oui, j'ai changé le titre. Je sors d'une grosse game de Minecraft avec les bros. Et là, je chill un peu sur Lost Ark... Voilà, je passe une petite soirée détente, soirée parfait. À minuit 44 bien sûr. Vous êtes bien arrivé. C'est à quel niveau tu débloques le bateau? Pas du tout. Moi je suis arrivé avec mon perso principal avec lequel on le fait avec deux autres potes. On est juste après cette ville, juste après la zone où on est, donc j'ai déjà rattrapé les niveaux où on en est, donc je sais pas du tout. Mais comme on est... attends, que je finisse de sélectionner la quête. Comme on est... dans la zone qui se situe ici. Je pense qu'une fois qu'on finit la zone là, on débloque le bateau, je pense. Voilà, parce qu'on a le premier port ici. Donc ça m'étonnerait pas qu'une fois que t'as fini les 4 zones là, les 4 zones du continent de base, tu débloques le bateau. En tout cas, c'est ma théorie. Après... Enfin, je la vois pas fausse, ma théorie, mais... Je pense qu'il y a des chances.
victorieuse est un legs de la dynastie luthérienne. Elle luit quand l'héritier légitime de la couronne la brandit. C'est ainsi que mes ancêtres prouvaient leur valeur au roi. Et la raison pour laquelle Chérisht souhaite la voir. Mais elle n'a jamais, ne serait-ce que brillé entre mes mains. Que peut-on donc en déduire ? Que t'es mauvais, mec ! Ah, c'est tout ! Retrouver le prince. J'ai retrouvé le prince. Ah oui, non, mais il faut l'encourager. Putain, j'avais oublié. Non, c'est pas U. C'est ça. Encourager, encourager. Là. Oui, tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Vas-y. Aïe, aïe. Ah, c'est bon. Le roi, il est devenu totalement confiant. Vous essayez de me réconforter ? Ne vous inquiétez pas. Ça ne me tourmente pas. Tout ce qui m'importe, c'est de gagner la guerre. Ma valeur peut attendre. Sire, on nous attaque. Sire, mais sire. L'armée du régent, elle est ici. Allons-y. Hey, let's go. On va taper du mob là. J'ai envie de me battre. On va encore les démonter, mais ça c'est un autre débat. Pourquoi ils marchent en arrière? Je suis pas un danger. Ils sont bourrés, hein. Ils sont bourrés les gardes. Ah merde, je l'ai pas tenu, content. Ça, ça fait mal. Ouf. Là, ça dégage. Merci bien. A chaque fois, je me trompe dans mes boutons. Je clique sur 2 et 3 au lieu d'appuyer sur Z et E. Oh, aïe. J'ai bien voulu esquiver celle-là, mais trop tard. Oh là, ma barre de vie. Tout va bien, tout va bien. C'est maîtrisé. Voilà. Épargnez-moi, Votre Altesse. Je ne faisais que suivre les ordres. Tu vas être décapité au écourt, mec. Les ordres? C'est ce que tu as dit. Des innocents sont morts par ta faute. N'as-tu donc aucune volonté? Ne sais-tu pas distinguer le bien et le mal? Tu n'as rien d'un chevalier luthérien. Ouais. Tu es coupable de ces atrocités et seras jugé en conséquence. Telle est ma volonté. Emmenez-le. Ouais. Il y a un random, il a fait ouais. Aïe aïe. Ça, c'est des gens qui sont investis par le destin de leur roi. On reconnaît bien. Oh là, mais qu'est-ce qu'ils font là? Que la fin du monde est arrivée. Mais calmez-vous. Calmez-vous. Je suis responsable du malheur qui a frappé. Cette fois, nous attaquerons les premiers. L'ennemi est stationné au sud de la colline. Nice, nice, nice. J'accepte les quêtes et je vais voir un peu ce que c'est ce sort. Tout ce que j'ai vu, c'était un bon sort. Après, est-ce que c'est réellement un bon sort? Ça, c'est... Les questions se posent, mais... Accepte, pitié. Merci. Tripor, bien sûr, la chose la plus importante du jeu. Alors, K, qu'est-ce que c'est que ce sort? Niveau de consommation 110. Crée un cristal magique dans un rayon de 12 mètres à l'emplacement du curseur. Le cristal évolue par niveau. Au niveau 3, il explose et inflige 2687 points de dégâts aux ennemis qui le repoussent. Eh ben écoute, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que je me sers pas beaucoup? Le bâton. Le bâton. Non, ça c'est le mauvais bouton. Ok. En vrai ça a l'air cool. En vrai ça a l'air intéressant, ça a l'air bon. Alors est-ce que je peux pas améliorer un de mes sorts au niveau supplémentaire?
7-7. On va améliorer le brasier. Qui fasse encore plus mal. De toute façon, on peut changer. Hein. Non, je devais aller où moi? Ah oui, en bas. Oh, c'est loin. Mais ça va, on est motivé. Tout va bien au village. Ah, je suis au bas de date. Oui, c'est ici qu'on apprend les premiers métiers du jeu, j'avais oublié. J'avais oublié. Mais c'est nice. Pour faire du petite pêche là, miner des trucs. Par contre, la cueillette et le coupage de bois, je sais toujours pas comment ça marche. Hein. Alors. Oula, ah ok, il y a des mages déjà dans le coin qui traînent. Oh, bonjour vous. Hop là, allez. Mange-moi ça. Ça prend pas beaucoup de dégâts les attaques de base, hein. C'est terrible. Ok, donc apporter les armes. Détruisez les trucs. Oh, mon coucous. Oh, le truc le plus important du jeu, hein, bien évidemment. Petite graine de mon coucous. Oh, attends. Non, ça faut le récupérer. Ouais, faut pas se tromper. Ça, ça se récupère et le reste, ça se détruit. Ah, mais il y en a avec deux à détruire. Bah, ça va, ça va, ça va. Non, mauvais clic. Mauvais clic. Hop là. Bon, on avait tout fini. Faut quand même que je tue le boss du coin. Je sais pas où il est. Voilà. Il est là-bas, ok. Noté. On va y aller tout de suite d'ailleurs. On pourra tuer les autres sur le chemin de retour. Ok, oui. Descendre du cheval. Quand même une bonne idée. Il est pas mort lui. Voilà. Là il est mort. Pas leur capitaine là si. Ouf, esquive. Allez, le cristal, montre-moi que t'es fort. Ouais, ça va, ça tabasse. Ça tabasse quand même un peu. Oh, je voulais dasher mais j'ai pas appuyé sur le bon bouton. C'est pas grave. J'en ai sorti un aim. Alors attends, qu'est-ce que je voulais regarder? Ah oui, les équipements. Moins bon, moins bon. Bah ça pue quoi. Hein. C'est ce qu'on peut regarder là. Hein. C'est que ça pue. Hein. Parce que marcher, c'est pour des gens différents de moi ça. Salut Greg. Ouais, ouais, ton histoire m'intéresse de fou là. Les quêtes secondaires là. Les quêtes secondaires, c'est d'un intérêt incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Hmm. Oh. Ah oui, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, je vais récolter tout de suite d'ailleurs. Récup. Je récup. Merci bien. Non, pas ça. Plus I, voilà. Ah, je peux choisir la couleur. Oh, c'est trop bien. Oh, Mario. Familier Mario. Oh, il y a Tails. Après, c'est celui que tout le monde a pris, celui-là, mais j'avouerais que le bleu... Après, c'est mes goûts, hein. Les goûts et les couleurs, c'est... toute une histoire, ça. Simon. Ah, oh, cutie, cutie. Du coup, guide... Dégage. Non, s'il vous plaît, pitié, pitié, laissez-moi tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il donne comme effet, lui? Ok, plus 10 et plus 5. Plus 5, 10. Ok, bon, il apporte rien de différent. Hein. Mais il est plus stylé. Il est plus stylé, le petit Simon, là. Oh, il est cute. Il est cute. Beau travail. Nous avons réussi à repousser presque tous les ennemis qui avaient envahi la Cus. Presque. Vous...
Salutations. Salutations. Le chef du village. Le chef du village. Oh, les quêtes FedEx. Droite, en haut, en bas, à droite, à gauche. Ce n'est qu'un enfant. It's only a child. Salut Armel. Le prince Tyraïn semble... dévasté. Dévasté. Oh mon dieu, faut parler des PNJ, on va de mourir. Il dirait que la fin du monde est arrivée. Il nous prend vraiment son peuple. Ah oui, la fameuse quête de la couronne. Il croit certainement être responsable de toutes les atrocités. J'adore les voix des PNJ. Ah d'ailleurs, mais le fait que Armel soit le mec de Retake, moi ça me vend du rêve. Comment le Luthéran avait sombré dans le chaos. Je sais pas comment il s'appelle le mec de Retake. Bah, d'ailleurs, les deux, je connais pas leur prénom. Ni leur pseudo d'ailleurs. Oh, c'est terrible. Je connais leur visage, je connais leur voix. Je sais à peu près dans quoi ils ont taffé. Mais par contre, leur nom et leur pseudo, hors de ma tête. Une couronne? Vous parlez d'une couronne d'acier? Une couronne d'acier? Allez, let's go. Ah, oui, mais du coup, je pense pas qu'on aurait les quêtes de minage tout et tout, vu qu'on a... Village. Vu que, tu sais, genre, t'as une fois, t'as le tuto et c'est tout. Je semi-regrette déjà la couleur de mon renard, mais... Si on fait comme s'il était pas là, on pourra pas le regretter. Oula, moi j'ai eu peur pendant un instant. Je suis Phobus, le colporteur. Je suis pas un Phobus. Enfant, je suis fier d'être colporteur. Bah écoute, tant mieux si t'es fier. Hein. Mais c'est pas un problème, moi. Une couronne? Contrairement à Sherry. Heureux de vous en donner une si c'est pour... C'est un investissement. C'est un investissement. J'accepte. En plus, il va me donner une carte au trésor, le bug. Il y a un Mokokos ici. Ceux qui investissent uniquement dans ce qu'ils ont sous les yeux sont des imbéciles. Et ceux qui investissent dans l'unique but de faire des profits ne dureront pas longtemps. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il speaks fact, hein. Attends, les plaines guerroyantes, c'est où ça? Non mais... Bon, les plaines guerroyantes. Ah bonsoir, comment vas-tu ce soir? Bah, bonsoir Chaos, comment vas-tu toi ce soir? Moi, parce que moi de mon côté, tout va pour le mieux. Pleine guerroyante, c'est ici, ok, je suis pas encore allé. Donc vous voyez, vraiment, tout va bien, il n'y a aucun souci. J'ai pas mal joué aujourd'hui. C'est ça, les gens étaient au rendez-vous, plaisir quoi. Une bonne journée en somme. T'avais pas une graine de cocos dans le coin là? Rendez-moi du rêve avec une graine de cocos là. Oui, bon là aussi je pourrais me TP, mais flemme là. Let's go. Non mais oh, j'en ai marre de louper les bêtes. Vous allez voir les colporteurs. Comme toujours, les marchands du Luthéran sont très différents. Oh, les marchands du Luthéran. Merci. Ah, le nain. Bonjour. Une mine. Vous êtes qui? Quoi? Comment ça, une couronne pour le prince? Dans ce cas, Pécard, merci. Vous êtes au bon endroit. Je regardais pour les... Je suis Our, le meilleur forgeron Oumar du monde. Personne ne vous dira le contraire. Allez, ouais, dépêchez-vous, montrez-moi les matériaux. Il n'y a que la possibilité des bottes. Ok. Pas mal du tout, mais... C'est pas assez, à moins que votre prince ait une tête minuscule. Minuscule. Il m'en faut plus pour pouvoir m'y mettre. Heureusement, vous pourrez trouver tout ça dans la région de Lacus. Vous voyez? Ok, ok. Bah, j'espère que ça se passe bien avec ton truc de bot là, Chaos. Tenez, prenez ça. La F5. C'était un peu de temps, je te conseille de regarder sur YouTube. Ouais, non, t'inquiète, hein. Te dérange pas, essayer de me trouver des trucs, les trucs de Discord, j'en ai... Je dirais pas que j'en ai rien à foutre, mais... C'est pas la première chose qui me vient en intérêt dans la vie, quoi.
Après, t'inquiète, hein, c'est normal, it's me. Mais ne t'inquiète pas, surtout, ne te dérange pas, je m'occuperai de tout ça tout seul. Aucun souci. J'aurais vu en acheter un, pitié, merci. Oh, j'en avais déjà un, ça dégoûte. D'accord, mais ça mettra en avant ton serveur. Oui, je sais clairement que c'est ce que je devrais faire. Mais c'est pas notre priorité vraiment pour l'instant. C'est pas vraiment ce qu'on cherche à faire pour l'instant. Pour l'instant, on se concentre sur Twitch. Et puis surtout, on a tellement à faire dans nos vies personnelles actuellement que. Faut pas trop se concentrer là-dessus, quoi. Mais un jour, ça sera utile, un jour. Un jour, on se penchera dessus. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Ouais. Alors. Vendez-moi tout ça. Au moins pour faire un peu de place. Je vends pas les trucs épiques, hein, au cas où. Et voilà, on aura gagné assez de place comme ça. Hop, on va quand même réattribuer un peu la place. Parce que ça régale. Voilà, bon. En ce qui me concerne, il faut que je me déplace où là? Attends, j'ai encore une grande distance. Il faudrait que j'aille activer aussi tout le tripod. Tout va bien au village. Ok, récupérer des molaires de sanglier et vaincre des crânes et récupérer des cristaux de crâne. Ok. Attends, mais les molaires de sanglier, c'est juste là-dessus en fait. Oh, on a déjà récupéré quasi toutes les molaires de sanglier qu'il fallait. Hop là, c'est géré. Et du coup, faut que j'aille là-haut pour activer le triport ainsi que les crânes. Ou les crances, je sais pas comment ça s'appelle. Oh merde, oui! Récolter des trucs. Attendez, déjà les loups, ça dégage. Bonk! Bonk! Ah non, faut que j'élimine des loups, c'est pas du tout des minerais que j'ai à faire. Merde, j'ai pas appuyé sur le bon truc. Oh, merde, j'ai appuyé sur B, je suis un connard. Des loups affamés et des sangliers. Ok, oh non, il n'y a plus que les sangliers à tuer. Ils sont là, nice. Allez, ça dégage, s'il vous plaît. Et hop là. Merci bien. Merci bien. C'est cool quand même que les trucs de minage se soient répartis entre tous les personnages d'un même serveur. Ça, les crânes. Ah, c'est ça. Ouf. Ah, bon, là. Ah, c'est pas bon du tout en fait. Ah, ok, faut que ce soit les comment ça s'appelle, les oranges. Ceux-là. Allez, la doublette, merci bien. Ah mais c'est fini en fait, bah voilà. Oui, en plus ça me demande directement de rentrer, enfin d'arriver là où il y a le triport, mais tout est parfait. Tout était parfait, c'est le mieux, c'est le must. Bonjour. Bonjour, je suis Myrène. Allez, bon là par contre le chemin, faut pas déconner, un petit champ et on y est. Ah, il est quand même mignon, hein. Il est mignon mais la couleur j'aurais pas dû. On assume nos erreurs maintenant et on l'aime comme il est. Attends, quoi? Oh, il y a une petite graine de mococos ici, je reconnais bien. Oh non, étoffe de héros. Oh, j'aurais cru, je suis déçu. J'aurais préféré un truc de mococos, moi.
déjà de retour. Ouais, et une belle couronne pour le prince. Une belle couronne. Ouais, là ça va, j'ai pas eu à faire tout ce qui est métier, enfin quête de métier, je parle. Oula. Calme-toi, monsieur le nain. Là, t'es en train de me forger une épée, tu vas me donner une couronne. Le résultat est pas mal du tout. Et venant de moi, c'est un sacré compliment. Tenez. Il a tapé une épée, ça m'a donné une couronne en métal. J'adore. Si vous collectez assez de matériaux naturels, rapportez-les à un expert comme moi, et on pourra vous fabriquer des pièces utiles. Il existe toutes sortes d'experts artisans. Il y a des cuisiniers, des alchimistes. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. N'hésitez pas à leur rendre visite. Ouais, mais faudrait Allez, déjà les trouver. Prenez votre couronne et filez. J'ai du travail. On va déjà les trouver. Billy Bob. Un couronnement ? Un couronnement ? C'est un peu inattendu. Que voulez-vous dire ? Bah, tu vas être le roi, mec. Tu vas être le king de la cité. Vous avez terminé la couronne. Il faut des pesos pour les forges. Exactement. Oh, dégage. Armel. A refusé. Ouais, mais Armel, c'est parce que c'est un Delin. C'est une autre histoire. Tu auras bien sombre, Michel. En vrai, je vais faire ça, c'est plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. Attends, mais du coup, vu que j'ai level up, oui, je peux continuer à mettre des levels. Ah non, il faut que je passe un level de plus encore. Ça dégoûte. Mais je crois que niveau niveau 10 ou niveau 11, on peut avoir de la compétence niveau 3 là. Et c'est très fort du coup, parce que c'est pas mal d'avoir un des deux trucs là. Et c'est très craqué. J'aime beaucoup. Pas de nouveau sort, il y a toujours celui-là. Point. Je sais pas si c'est fort ça. Explosion, je crois que c'est fort. Attends, mais il me reste déjà plus que 3 sorts et j'ai tous mes sorts. OMG. OMG. Je m'y attendais pour l'eau. Allons-y. Allons assister le couronnement de Tyraine. Fils de Tyraine et de Tyraine. C'était tellement bien le Hobbit. Parce que du coup je l'ai écouté sur Audible. Parce que bah avec Amazon Prime t'as un abonnement Audible offert. Et l'abonnement Audible ça te permet d'avoir un livre du coup audio gratuit par mois. Donc c'est à dire que tu peux avoir t'économises 24 balles par mois quoi. C'est vraiment pas mal hein. Et puis je tiens à te dire que la dernière quête Event sur Monster Hunter Rise est hard. Ah bon? Xenogre Apex? Ouh oui. J'avoue. Oh, je me souviens de cette zone, il y a un boss qui fait très mal. Et pour faire très mal, il fait super mal le boss de Gineas là. Ce saloperie de boss de Gineas. Du lieu du couronnement. J'espère que vous conduirez la cérémonie. Oh, c'est une cérémonie sacrée. Je dois décliner. Comment? Mais vous êtes prêtre pourtant. Ouais, mais il a un petit secret, il a un petit compartiment caché, comme on dit. Petit bruit. Nous ne sommes pas seuls. Eh oui. Il y a... Ah, je sais pas comment il s'appelle, le dirigeant de Gineas. Je vais faire une blague, mais il est tombé à l'eau. A passé 2 heures sans la passer suite au Brel qui joue comme des idiots. Mais ouais, c'est toujours comme ça, de toute façon, c'est toujours la faute des mates. Et voilà le Morgoth de Gineas. Ouais. Alors que nous, on va devoir traverser toute la putain de map pour aller les sauver. Allez, c'est parti. En plus, on n'a pas le roi cheval ici, ça dégoûte. Ça me dégoûte, moi je suis au bout de ma vie. Hein. Allez, mourrez. Voilà. Attends, derrière, j'avais pas vu moi. C'est vraiment pas mal mon sort de glace. Hein. Après, c'est parce que je l'ai pas amélioré. J'ai préféré améliorer mes 3 autres sorts, mais
Ça nous débat, ça. Oh là là, les dégâts. J'ai pas vu. Elle est au sol. Après, j'ai vu, que dans, j'ai vu certains builds en vrai de magiciens, mais je les ai pas tous vus. Ce que j'ai vu, genre, il y avait. En sort principal, genre, enfin, en sort de base, vraiment de base, il y a le trait, la traînée de feu que j'ai. Il y a. Je crois qu'il y avait le cristal, mais je suis pas sûr de cette info. Le petit cristal là. Et il me semble qu'il y a aussi des sorts que j'ai pas encore. Ça doit être l'explosion et, la, et le point. Du coup, ce qui serait des points d'eau de glace. Vu que c'est un sort d'eau glace là, ce que j'ai vu. Alors, oui, hein, j'étais déjà allé regarder ici dans mes autres parties et apparemment ça, ça drop que dalle. La melon. La cristal. Venez ici, venez ici. Voilà, ça dégage. Allez, on vient ici. On vient mourir. Oh là, mais je les déboîte. En plus, ils me donnent de l'XP, ça me régale. Après, ils donnent rien, ils donnent 2 d'XP. Hein. C'est vraiment ridicule. Mais au moins, ils donnent pas rien, quoi. Enfin, c'est tout comme, en vrai, c'est inutile. Tu peux pas faire comme dans les autres MMORPG. Il faut regarder l'écran. Ah, ils connaissent ça, voilà, ça me régale. Oh, attendez, mais j'ai eu du loot, là. Est-ce que mon loot est bon, d'ailleurs? C'est bon. C'est bon. C'est nul, c'est identique, c'est nul, c'est identique. Allez. Ça vient d'en dessous. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Il y a encore des mobs en bas. Et tout. Mais je crois pas qu'il y a des mobs cocos dans les zones comme ça en vrai. Dans les zones un peu obsolètes, pas obsolètes mais inutiles quoi. Les zones qui traînent là quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? OMG. Oh le crabe araignée là. What the fuck. Oh putain. Oh la dingue. Oh la dingue. Vite. Oh là là, la double explosion. Ça régale. Oh ça, oui, c'est vrai qu'il fait des tornades, lui, j'avais oublié. Et il est mort. Oh, je fais tellement plus de dégâts avec cette classe quand même, ça régale. Hein. Parce que je joue aussi du coup un Soul Fist, je sais pas comment ça s'appelle en français. Bon bref, un moine de corps à corps, semi-corps à corps, du coup je fais aussi des lasers, je fais tellement moins de dégâts. Alors j'ai fait les mêmes choses, j'ai fait les mêmes quêtes, j'ai fait que c'est de la même façon, j'ai fait les donjons de la même difficulté. Mais toujours autant de galère. Hein. Voilà, boucle. Allez, adieu. Voilà. Putain, il y en a encore plein là, au secours. Allez, par pitié, me fais-y ses dents, enfonce ses dents. Voilà. Quoi, j'en ai encore à tuer là? Ah oui, là. Bah voilà, on a fini la quête. Je vais quand même attendre de recharger un peu mes cooldowns, sachant qu'on a un boss, là. On a un petit boss qui fait mal, mine de rien. Il est pas non plus si dur que ça, mais il fait mal. Hein. Lui, il fait très mal. Il a un combo qui peut quasi one-shot. Hein. Bouclier. Ah oui, bouclier. C'est trop drôle. Bouclier. Je suis victime, bouclier. Hey, je suis une magicienne. Je vais te péter les reins. Armel qui va se transformer en Delin parce que son bouclier l'aura pas tenu. Ah, il va se transformer en démon. Du coup, il sera en mode. Lui, par contre, il bouge vite. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ok, je vois, je vois. Faut rester à distance. Ça, j'avais pas compris, je m'étais fait tuer aussi. Mal.
Ah, il a invoqué déjà son assist. Oh, son assist, merde. Calme-nous, calme-nous, monsieur. Ok, j'ai tué son assist, ça régale. Hop là, il dégage, il meurt. Merci. Bon, ça va, j'ai eu de la chance. Ah, parce que mes bros, ils avaient totalement réussi à le démonter, ce boss, mais moi, il m'avait fait un combo qui m'a plus jamais refait, parce qu'il m'avait quasi one-shot. Et voilà, Arabelle, il a eu une petite difficulté, je me transforme en démon. Et voilà. Oh, le prêtre Armel, quoi, quelle victime. Armel, il est un peu perdu. Je me transforme en démon. Mais Armel, à chaque fois que tu fais ça, c'est dangereux pour toi. Je vais le faire. Pourquoi? J'ai pas eu ma PlayStation 5. Je comprends que vous ayez décliné ma requête pour la cérémonie. Je... Un démon n'a pas sa place dans nos rites. Mais vous, vous êtes un prêtre qui utilise ces dons pour aider les autres. Ces dons qui vous ont permis de me sauver la vie. Ce que nous sommes n'est pas qui nous sommes. Ça s'est fait, ok, Platon. Tyrine. Vous présiderez à mon couronnement. Voyez cela comme mon premier ordre royal. Oh. Très bien. Alors, c'est décidé. Allons-y. Malgré tout ça, je maintiens le fait que Armel, il va nous claquer entre les doigts. Hein. Je maintiens mon truc. Oh, une carte de qui? Rictus. Ça, c'est meilleur. Du coup, c'est dans quoi les cartes? Ah, codex. Non, carte. Merde. Ça non, pas carte du monde, ça serait bête de mettre ça dans carte du monde, même si c'est une carte aussi. Ah, livre de cartes. Scirictus. Albion. Ah, mais Rictus, je l'avais pas loot ça la première fois. Hein. Je ne l'avais pas loot et c'est très stylé. Après, j'ai envie de dire, ça nous spoil sûrement de regarder ça, mais je l'avais pas eu et je suis content parce que il est très stylé le Worgen. Let's go, le couronnement du roi. Et là, hop, c'est la lumière. Aucun sens. Procéder au couronnement. Prince Tyrine, à genoux devant vos ancêtres. Le prince va prêter le serment des rois. En tant que roi du Lutéran, mes seuls ennemis sont le mal et l'injustice. Je jure sur ma vie d'être le bouclier de mon peuple. Aventurière, apportez la couronne. Allez, c'est parti. Oui, j'apporte la couronne. Oui, tout à fait. Apportez cette maudite couronne. Ah oui, quand même, on va se dépêcher. Hein. De cette couronne sacrée. Je vous sacre, roi Tyrine du Lutéran. Let's go. Debout, votre majesté.
frapper. Ouh là là. Messire, je suis blessé. Messire. Messire Bénard et ses forces ont été attaquées par des démons. Nous avons été décimés. Ouais, je le prince des gars, c'est bizarre. Sont repliés au monastère de Medrinic. Aïe aïe. Ne tiendront pas longtemps. Après, il est roi par intermittence. Hein. On sait que je suis bien plus fort, mais moi, je suis mieux qu'une reine. C'est les reines, c'est pour les ploucs. Moi, je suis l'élu. Attention, je suis l'élu. C'est vrai, en plus, dans le lore, je suis techniquement l'élu. De quoi ? De reprendre les armes. Aucune foutre idée. Mais je suis l'élu. Hein. Allons de ce pas au monastère de Medrinic. Y a pas de souci, allons au monastère de mon cul. À présent, notre armée va prendre la route du monastère de Medrinic. Highlander. Plus ou moins. Oh, Carmine. Ce môme qui joue aux petits soldats. Tout cela aveugle. Hein. Comment oses-tu aveugle, l'affronter hein. S'il est parvenu à lever une telle armée, c'est peut-être qu'il n'est pas si indigne de la couronne. Après tout. S'il en était digne, victorieuse flamboierait entre ses mains. Il n'est pas digne de régner sur un royaume. Je le tuerais si nous n'avions pas besoin de lui pour trouver le sceau de l'aigle. Mais c'est vrai, il faut qu'on trouve le sceau de l'aigle aussi. Qui d'ailleurs vous intéresse bien plus que moi. Mais tu as besoin de moi. Mes désirs sont les tiens. Qu'importe. Les pleutres de l'Ouest ne se rallieront jamais à Tyraïn. Oh, je rigole alors qu'ils viennent à peine de partir et qu'ils peuvent m'entendre. Devenir très intéressante. Ah, le classique méchant en jeu vidéo. Hein. End film, end série, end beaucoup de choses. Lacus. Ah, du coup, je sais pas du tout c'est quoi la zone après Lacus. Attends, mais il y a un donjon là. Les crêtes radieuses. Attends, M. Ouais, je l'ai pas fait ce donjon là. On va le faire en difficile parce qu'il y a personne qui. Il y a personne qui rejoint en normal, j'ai l'impression. Ce qui dégoûte un peu. Ah, ils sont chiants, ils demandent tous admis machin. Oh, ils sont très toxiques dans le chat, hein. Dans le chat du jeu. Très très toxique. Allez, faites qu'on puisse rejoindre le donjon là. Après, je sais pas s'il est bien ce donjon. Je me souviens même plus l'avoir fait. Attends, mais c'est le donjon que je viens de faire là. Mais attends, mais c'est la même chose. Est-ce que je suis vraiment en train de refaire la même chose là? Est-ce que je suis un gogol à ce point là? J'ai l'impression. Après, ça fait toujours du stuff et de l'XP, hein. Moi ça m'arrange. Hein. Oh, y'a un élite. Attends, mais revenez, y'a un élite là. Oh, on voit rien du tout, mais on est là. Oh là là. Oh, ça tamponne dur. Hein. Ça tamponne dur. Hein. Oh le loup là. Merci s'il te plaît. Merci. Ah, qu'est-ce qu'on tamponne dur hein. Bouc. J'arrive pas à dormir donc je reviens vous embêter. Ah malheureusement il ne reste plus que moi. Un est parti dormir, l'autre a dit qu'il partait juste se reposer, revenait vers 1h du matin, sauf qu'il est jamais revenu, comme d'habitude. Ouch, j'ai bug. Comme ça, qu'est-ce que tu as bug? Tu as besoin que je répète? Attends, mais c'est une graine de Mokokos, ça je reconnais. Oh, let's go, une graine de Mokokos. Thank you.
qui vont là. Là y'a rien normalement hein. Qu'est-ce qu'elle cherche là? Oh une graine de Mokokos. Putain trop bien hein. Je me suis brûlé le doigt avec mon lisseur. Tout ça pour des boucles. RIP. You don't have to use a laser. Enfin, boucle. Terrible. Moi je n'ai pas ces problèmes là, étant donné que je suis quelqu'un qui a les cheveux courts. Et qui n'en a rien à foutre de ses cheveux. Ah, une catastrophe. Oh, il fait trop là de lui. Le pire, je fais ça une heure du matin, ouais, j'avoue. J'avoue que c'est terrible. C'est pas grave. Hein. Chacun ses probs. Toi, tu fais ça à 1h du matin, il y en a d'autres, ils le font pas. Et il y en a d'autres qui le font à midi. Ou à 8h pétante. Hey, mais attendez-nous, on va faire les mobs, vous allez avoir des problèmes. Ouais, je dis ça, ils ont l'air très forts en face. Mais j'ai la dalle, je vais regarder dans le frigo. Ah ouais, moi j'ai toujours faim à ces heures-ci. Le problème, c'est que le frigo est gardé. Quoi, il manque des mobs à tuer? Qu'est-ce qu'ils font? Du coup, quand je vais me réveiller, je vais ressembler à Granny. Ouais. Oh, all day, hein. Et franchir la crête radieuse. Mais je suis sûr qu'on peut passer là, la porte là. Passer, what the fuck? Si je fais ça, non, ça marche pas. Mais tranquille, faut voir si on a pas oublié des mobs sur le chemin. Je vais voir s'il passe. Je pars en explore. Ah, ok, c'est bon, je l'ai. C'est bon, ils peuvent passer ou pas? Parce que là, du coup, on a oublié un mob. Là, ils peuvent passer. Putain, ils l'ont pas dit. Quel bande de chiens. Le jeu Cococ, c'est comme dans le titre Lost Ark. C'est un MMORPG. Donc, comme World of Warcraft, si tu connais. Ou Star Wars The Old Republic, si tu connais aussi. Peut-être que tu connais pas. Hein. C'est un truc de vieux. Hein. Les mobs RPG, enfin je dis ça plus maintenant en vrai, mais ça n'a jamais vraiment été, mais dans l'univers, que dans l'imaginaire collectif, c'est un peu un truc de vieux, même si ça l'est pas. Oh, encore le même boss. Ah mais en fait c'est le même donjon mais à plusieurs occasions. Oula. Et du coup en fait c'est un truc où il y a plein de gens en même temps sur... Ah tu vois? Ok, ça va alors. Mais en gros c'est... C'est un truc qui vient de sortir, c'est un truc coréen qui vient de sortir du coup dans le monde entier. Mais franchement c'est super sympa pour l'instant et en plus c'est gratuit. Ça régale ça. Après honnêtement j'en ai rien à foutre que ce soit gratuit tant que le jeu est bien parce que pour l'instant dans ma vie je n'ai pas de problème à payer un jeu. Hop là, gros décan. Tout est nul, ça me dégoûte. Encore éliminer les démons. Putain, je suis vraiment en train de refaire la même merde. Mais au moins ça me prendra. Je sais ce que c'est. Je comprends les problèmes. Tu peux tuer tes coéquipiers, c'est une dinguerie. Non. On peut pas tuer nos coéquipiers. On peut pas les racler ici. On n'est pas des gens à problème. Hein. Après, je crois que tu peux faire des duels. Hein. Il faut que ce soit accepté, quoi. Après, ça deviendrait infernal si on peut tuer les gens. Hein. Genre, vraiment, c'est... Les gens, c'est des monstres. Ce serait le plus grand connard. Tu pourrais pas commencer le jeu sans te faire agresser par un mec niveau 200 parce que c'est son kiff d'avoir une petite tub et d'attaquer les nouveaux qui essaient juste d'apprendre à jouer. Ce serait cool de kill entre cop. Bon, ça, c'est les mêmes problèmes. Hein. Des amitiés brisées, des envies de suicide. Terrible. Non, faut que ce soit accepté des deux parties de faire un duel. Parce que si c'est genre en mode tu l'attaques dans le dos. J'ai envie de dire que t'es le roi des enculés, mais plus ou moins. On est tous en bas, on va faire des graines de Mokokos là. On peut pas, bon, bah un combat. Ok, Rictus. Oh, doucement. Oh non, il va. Non, à l'aide.
Bon bah mon attaque n'a rien fait, je suis un peu dégoûté. Oh bah dis donc qu'il est beaucoup plus résistant là. Ah, je vais surtout mourir moi. Non, tu vois, il a... Oh, merde, je suis étourdi, je vais mourir. Ah bah c'est lui qui va mourir à la place. Il a résisté, what the fuck? Ah non, il est mort, c'est bien ce que je pensais. Ah, il tamponne ce boss. C'est plus la même. Voilà, c'était ça l'attaque dont je parlais tout à l'heure, le truc parce qu'il te stun. Et après, il te fait une attaque à l'infini qui te donne des coups de griffe à l'infini, c'est trop fort. Oh non, il a box son mate. Au secours. Au secours. Il a foncé droit dedans, let's go. C'est moi, il est stun, let's go, c'est le moment. Allez la team. Allez bro. Et bon, let's go. Let's go. Meilleur bras. Et tête identique, ok. Alors qu'est-ce que ça dit? Bah moi il me faut des jeux où on peut tuer ses coéquipiers, genre Rainbow Six. Et tout. Doit faire comme Rise, calculer au nombre de joueurs. Hein. Sûrement. Yes. C'est bien de tuer ses collègues. Non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Hein. C'est une réclure, ça. Après, il y a des jeux, c'est fait pour ça. Hein. Genre Splatoon, tu peux péter la gueule de tes potes en adversaire, mais. Ah, mais c'est fini. Ah bon, ok, je peux m'en aller. Attends, il y a peut-être des graines de Mokoko plus haut. Mais dans la même RPG, après il y a les serveurs PVP, je sais pas s'il y a de serveurs PVP, je crois pas, hein, vu que le jeu vient d'être release. Un jeu de peinture. Mais si jamais... je crois pas qu'il y a encore de serveurs PVP vu que le jeu vient d'être à peine lancé. Mais il y a des serveurs PVP où là, oui, si t'es de la mauvaise faction, tu peux te faire péter la gueule. Hein, genre dans la rue comme ça gratos par un mec du camp adverse. Genre par exemple dans World of Warcraft, il y a des serveurs où est-ce que quand t'arrives... c'est un mec de la horde qui peut être entre niveau 1 et 500, il peut arriver, il peut te casser la gueule. Hein. Mais l'inverse aussi d'ailleurs. Mais là, je crois pas qu'il y ait de serveur PVP. Et je sais pas s'ils en ajouteront d'ailleurs. Ils en ajouteront, pas ajouteront, ce que c'est pas très bien accordé. Panorama, ça sert à rien du tout, mais on va y aller. Hein. Allez, on se casse. Je sais pas ce qu'il voulait écrire, mais c'est pas vraiment faux. Imagine, entre les mobs et tes coops qui peuvent te kill, OMG le bordel. Oui, non, ce serait l'enfer. Genre, par exemple, imagine, je sais pas, faut prendre un endroit où il y a beaucoup de monde. Genre, voilà. Admettons que là, il y a moi, mes deux potes et l'ennemi. On est là, et là, on balance tous nos spells en mode comme ça. Ben, on meurt. Juste, on se kill. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que c'est bien fait. Parce que en donjon, pour te dire, dans les donjons de fin de jeu. Bon, je sais pas si tu t'y connais beaucoup en MMORPG, mais quand t'arrives en endgame, t'as des boss, en un seul coup, ils font une attaque qui fait quasi toute la taille de la map sauf 5 pixels, et ils te one-shot déjà. Donc imagine pas si en plus il y avait du TK. Ah, vous êtes là. Alors, ma couronne a-t-elle fait l'affaire? Oh, ce jeu de mots, couronne fait l'affaire parce qu'elle est faite en fer. Ah, tu l'as, chacal? J'adore l'humour, hein. Je vais te crever. Vivons sa majesté! Tout va bien au village! Allez, let's go! On va découvrir une nouvelle zone du coup. Je crois pas que j'y suis déjà allé. Peut-être que j'ai dû m'arrêter là-bas avec les potes. Mais en tout cas, on est vraiment très proche de là où je me suis arrêté avec eux. Moi, je pourrais miner sur le chemin, mais flemme. On va te découvrir là, on va te jouer là. C'est dommage que... Attends. Ce serait cool avec Tush de faire du The Forest. Et bah figure-toi qu'on en a fait. C'est record mais c'est pas monté. Et en plus les vidéos sont extrêmement drôles. Et je n'abuse même pas. Mais faut que je taffe. Et j'ai tellement de trucs à faire. J'en peux plus. Oh, faut que je tue aussi des mandragores. Ah oui, si je suis jamais venu à ça. En tout cas, je m'en souviens pas. J'ai jamais affronté de mandragore, moi.
ils sont résistants, hein. Ils sont tranquilles, ils sont énervés. Bien, c'est dommage que Unreal Tournament Resort, c'est pas un titre du genre quand ça m'éclaterait. Je connais pas le jeu, enfin je connais deux titres, mais je sais pas ce que c'est. C'est un jeu de course. Ah, j'ai joué sur la PS4, j'adore. Il y a Jacqueline la cannibale et Robert l'araignée. Voilà, non, c'est terrible. Hein. Le jeu est difficile en vrai. Hein. Oh merde, des mandragores, faut que j'en tue. Où est ce mandragore ? Voilà. Pauvre Timmy, Timmy, hein. Timmy il a vécu des heures sombres. Timmy là seul dans la forêt, il s'est fait genouiner par des psychopathes de la forêt. Mais ouais, faut que je montre les vidéos de The Forest et tout, mais flemme, j'ai trop à faire, j'ai envie de vivre. Non mais surtout j'ai... Bah si par exemple tu vois aujourd'hui j'ai fait je pense facile 8 heures de live, voire plus. Parce que j'ai commencé le matin vu que j'ai réussi à me réveiller à 9h. Donc j'ai fait 2h le matin, 4h l'après-midi. Donc du coup 8h, j'ai fait 10h aujourd'hui. Et déjà que 10h, si t'enlèves les temps où je mange, où je m'occupe de la famille, je dors et je fais d'autres trucs à côté, j'entre aller faire la conduite, préparer le taf, tout ça. Bah j'ai pas le temps de monter quoi. J'ai pas le temps du tout. Et puis ça fatigue, c'est long. Donc malheureusement, soit j'arrête le streaming et je monte, soit je... Oh, je suis jamais venu ici. Soit je fais que du streaming et je monte pas, et c'est ce que je fais actuellement. Bah et puis le titre Unreal Tournament était sorti sur la Dreamcast de Sega. Ouais, allez, t'sais, truc de boomer, moi je connais pas. Hein. Non, en vrai je rigole, mais je connais pas. En tout cas, le nom me dit quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Je suis Theon. J'appartiens à l'unité menée par... Ah ouais, Théon, tu m'intéresses de fou avec ton histoire, là. Éliminer les... catholites ? Non, les cragolites. Ok, je t'envoie des catholiques. Comment ça, éliminer les catholiques ? Il y a un message dans le jeu ? Message critique ? Oh, ils ont l'air d'être énervés, ici, hein. Ils ont l'air d'avoir de la vie, hein. Allez, bouge. En clair, les MMO JRPG dont un killer, les coop et les modes. Ok. Je vois. Je vois. Mais ça me dit un truc le titre. Enfin, je suis sûr que si je vois des images du jeu et tout, je tilte. Mais là, j'ai pas d'infos là. Putain, vivement qu'on arrive dans des terres plus boisées parce que les terres de Gymnase, que ça fait 15 minutes, ça fait 15 heures que je me les tape, ça me saoule. Hein. C'est pas que j'aime pas me dans les cryptes H24, mais ça me rend fou. Hein. À l'époque, je me pétais le crâne avec. Bah, tant mieux, hein, c'est les jeux de l'époque. Hein. Allez hop là, on est arrivé au monastère. Putain, il est immense par contre le monastère. Hein. Mais il y a Carmine qui va y popper dedans et tous nous péter la gueule, hein, c'est évident. J'ai comme l'impression que t'aimes beaucoup cette émote avec Midoriya, Cocox. Comme l'impression, je suis pas sûr de cette info, mais... Aventurière, vous êtes l'aventurière dont le prince Siraïn a parlé ? Oui, monsieur, oui, je suis l'aventurière, voilà. J'aime pas les moines, taisez-vous, j'en ai assez vu des moines. Décu. Zodic. Bon, on est parti. Découvrir cette zone que je vais refaire demain, à coup sûr, avec les potes, ça me rend fou. Mais je suis motivé. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Le veilleur des ténèbres. Oh, alors ce sigle-là, ça me dit un truc. Je l'ai vu dans Azuras Vras, moi. Ok, Cocox, à toutes. T'es en mode arigato. Arigato gozaimasu.
Oh, mon cocos. Ah non, mais me vole pas mes unités. Je crois que le mec qui est passé, il a volé mes unités. J'étais déjà au bout de ma vie. Ok, faut que je vainque encore des veilleurs des ténèbres. Si, hein. C'est pas ça les veilleurs des ténèbres, c'est juste des élémentaires. Faut que je tue les gros, moi. Ils sont où les gros? Ah là, il y a un gros. Veilleur des ténèbres. Voilà, il est mort. What? Ton 4 ressemble à un lapin de FF18. Mon chat, tu veux dire? Parce que c'est un renard bleu. Attends, je vais essayer de te le montrer. Il s'appelle Simon. Mais oui, après, le jeu, ça fait très vibe Final Fantasy. Hein. Je suis totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi, ça fait très Final Fantasy. Même si, en fait, j'ai l'impression que ce MMORPG, c'est un énorme mélange. Mais genre vraiment, hein, un gros mélange entre World of Warcraft, Diablo et Final Fantasy. Et franchement, c'est pas un mauvais point. Genre des gens diraient, ouais, mais c'est du pur plagiat. Et franchement, des fois, le plagiat ou l'inspiration, il n'y a rien de mieux. Genre par exemple, je sais que pour les jeux de rôle, le plagiat, c'est la vie. C'est la source principale d'inspiration. Parce qu'inventer des choses, c'est impossible sans plagiat. C'est parti. Oui, des morts là. Gouverneur. Oh, gouverneur. Vous êtes vivant. Dieu merci. Plus pour très longtemps. Comme j'ai prié pour vous voir porter cette couronne. Mes propres. Je vais mourir, messire. Pouvez-vous le sauver? Votre Altesse. C'est trop tard pour moi. Ne dites pas cela. Oh, Ravel, c'est plus un démon qu'un prêtre. Tu vas payer, je le jure. Un roi doit contenir sa colère. Un roi doit régner sur ses sujets avec bonté. Pour les papis, tu peux canner plus vite, Céleste, s'il te plaît. Doit croire. En lui-même. Victorieuse brillera à nouveau. Refaites du Luthéran la glorieuse terre des chevaliers. Oh, ta gueule, papy, arrête de mourir là. Je crois. Allez, ta gueule. Merci. C'est pas trop tôt, papy. Mais t'es un monstre, Cassius. Oui. Si t'as vu sur les shops, il y a un jeu basé comme Mario Kart, qui s'appelle Chocobo. Ça m'étonne même pas. Je vois ici des gens très altruistes dans le chat et je trouve ça incroyable. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû demander son aide. Bon, oh, c'est bon. Bon sang. Oh merde, c'est un héros d'animé. Oh là là. Incroyable cette tête de Little Big Whale. Incroyable. Le prince Tyraine a le cœur brisé en mille morceaux. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. Ouais, je sais que c'est triste. Papy, il est mort. Hein. Sad. Sire Bénard a toujours été une figure tutélaire pour le prince. Tutélaire. Notamment après mots, la disparition de l'orthographe. Sire Bénard devait énormément compter pour Tyraine. Je suis allé sur son stream et avec les points je les ai achetés. Ah putain, tu peux acheter des émotes avec des points chez elle? Je savais pas. Pauvre chou du con. Little Big Whale, hein, quel super streameuse. Hein. F2, menu des partitions, jeu le chant de la bravoure. Allez, let's go. Voilà, comme ça il sera plus triste avec la musique. Un petit coup de pipeau et on est reparti. Hein. Oui, surtout les streamers, t'as des points. Oui, je sais que t'as des points, mais. Le chant de Les émotes comme ça, c'est très rare en vrai. Il n'y en a quasi aucun qui font ça. Enfin, du moins, très peu dans les plus connus.
Mais ouais, les points de streamer, je crois même pas que j'y ai accès, moi. Comme je suis un débutant, j'ai rien. J'ai littéralement rien. Genre, je pars de zéro, aucune aide, rien. Si Log, Zerator et tout, ils le font. Ouais, on est certain. En fait, il y a possibilité aussi de stream sur Guilded. C'est quoi Guilded? Je connais pas. T'as pas activé, je crois. Non, mais je peux pas, Cocox. J'ai. Pour te dire, j'ai pas les subs, j'ai pas ça. J'ai pas les stream squad. Mais ça, c'est parce que je suis pas affilié ni partenaire. Pour être affilié partenaire, il faut un nombre de follow, il faut un nombre de gens qui discutent sur le chat, il faut un nombre d'heures de stream et de visionnage. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est très compliqué, très dur et très long. Genre, c'est ce qui permettra au fur et à mesure de gagner de l'argent et d'avoir un salaire, tu vois. Mais genre, j'ai rien d'activé. Et genre, quand tu commences, si tu fais des lives et tout, t'as aucune option. Genre, juste tu stream et c'est tout. Genre, t'as rien pour t'aider. Genre, pour te dire, tu peux pas non plus, je crois, changer la qualité du stream. T'es obligatoirement 1080p, je crois. Et ça, c'est uniquement parce que je suis pas affilié. Et si t'es affilié, tu peux baisser la qualité du stream, mais quand t'es pas affilié, tes viewers ne peuvent pas baisser. Ils peuvent pas changer la qualité du stream. Ce qui est un peu embêtant en vrai, même beaucoup. C'est l'alternative à Discord. Ah, ok. Bon, en vrai, alternative à Discord, on go TeamSpeak et puis c'est réglé. Hein. Trop compliqué ma tête. Ouais, alors, j'avoue qu'il est tard. Hein. Il est tard sûrement pour toi, donc pas de casser la tête. Vous êtes vraiment quelqu'un sur qui je peux compter. Sur qui je peux compter. Ouais, ouais. Voilà. J'ai vraiment pris ma décision. Mais il y a encore un problème. On parle pas pendant mes temps de chargement, par contre, je vais péter un câble. Elles sont de plus en plus grandes les maps. Hein. Bon, j'espère que ça va pas être non plus trop grand parce que sinon au bout d'un moment je vais péter un câble. Ouais, oh là là, attention les démons, je suis dans le coin. Hein. Je suis une menace. Hein. Oh lui il a pas peur là à côté des démons avec son épée le prêtre là. Énorme couille. En gros si c'est sur Discord on se fait... douiller sur le fonctionnalité, oui ça clairement. Genre on est nerfed et il faut payer pour avoir des meilleurs trucs. Aventurier, je sais. Après ça va pour l'instant. Moi honnêtement, comme je suis pas un mec qui passe son temps sur Discord, genre je l'utilise pour écrire des messages et pour être en vocal. C'est tout. Genre je sais qu'il y a des gens, ils en font des centaines d'utilisations, mais moi je. Osef. Que les dieux. J'utilise. Moi je trouve que déjà pour vocal, c'est le seul intérêt qu'il y a. Après. Voilà, c'est chacun a son utilité, mais pour moi c'est vraiment juste pour vocal avec mes potes et ça suffit. Je trouve ça inutile sinon. Et voilà quoi. Mais je sais qu'il y a des gens qui font des dingueries dessus. Genre c'est vraiment ça taffe de fou. Et dans ce cas-là pour eux, j'ai ouais, pris c'est ma une vraie décision, douille. Mais il y a encore un problème. Ne me regardez pas comme ça. J'ai fait part de mes inquiétudes au père Armel et il m'a apporté un conseil sage. Pas meilleur le bâton, pas meilleur, ça c'est nul à chier. Mais arrêtez de m'enlever mes dégâts critiques, ça va me rendre fou. Hein. Ça va me rendre complètement fada. K. Je peux améliorer mon... Attends, est-ce que j'ai déjà une nouvelle capacité? Pas du tout. Oui, je peux améliorer mon brasier, ça régale. Ok, dès que t'as la possibilité de tester Guild... tu m'en diras des news. Solari. Parler à l'abbé Effen ? C'est déjà fait. Cherchez Felma. But où est Felma ? Oh, les quêtes FedEx, ça m'en fout. Vraiment, on va parler à Macha qui a 2 mètres. Oh, va reparler à Macha qui a 2 mètres. Bien sûr, je compte aider le prince Tyraïn. Oh, bien sûr, je compte aider le mèche. Ça va être débile. Un peu énervé, un peu aigri le Cassidus. C'est un peu un connard. Je sais même pas pourquoi vous le regardez, vous êtes bizarre. Qu'est-ce que je dois faire? Vaincre les limiers. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces cristaux là? J'en ai acheté d'autres, JPP. Ah mais du coup c'est ça qui me rend fou hein, de me dire que si Twitch ils veulent retirer les chats, ça va... Bah, on pourra plus avoir les emotes et ça dégoûte. C'est vraiment le pire play s'ils font ça. Parce qu'ils sont basés sur
des streamers qui sont genre qui ont déjà une grosse commune, pour eux vu qu'ils sont déjà installés, ils disent ouais c'est chiant parce que bon maintenant je gagne assez d'argent pour pas me confier sur le chat, mais pour tous les débutants c'est juste les tuer quoi. Du coup j'espère que ce sera juste une option d'enlever le chat et qu'on pourra le laisser. En tout cas tout est gratis sur Gelded. Ok. En tout cas ça me fait moi j'adore quand tu parles de tout ce qui est Discord et machin, parce qu'on dirait vraiment que t'es en full OPSP. Moi ça me tue de rire, hein. J'adore. T'es en mode mec, alors il y a ces fonctionnalités là. Tu savais d'ailleurs que si tu utilisais le code Chaos, moi ça me tue de rire. J'adore. Qui êtes-vous? Incroyable. L'ami du prince Tyrion. Après, je sais pas si tu... Ça se trouve tu bosses là-dedans, hein. J'en sais rien du tout. Hein. Mais si tu bosses là-dedans, franchement, tes super héros devraient bien te payer. Hein. Parce que tu fais super bien ton taf. Voilà. Tout de suite à penser à l'argent, je suis vraiment horrible. J'ai soif, je vais boire. Bah, va boire, Cocox. Va t'hydrater. J'avoue que moi aussi, je commence à crever de soif. MDR, je teste tous les réseaux pour voir les possibilités qui peuvent faire un large éventail. Fais-en ton métier, mec. Tu verras, t'as un avenir là-dedans. Ah, vous savez, si vous avez utilisé le code machin et que vous avez utilisé la fonctionnalité là, vous savez que vous pouvez faire des choses incroyables. Écoutez-moi et vous aurez un avenir meilleur. Chaos pour un Discord meilleur. Je dois aller dans la cave chercher une bouteille. J'ai la flemme. Dis-toi qu'une fois que tu seras allé chercher, t'auras plus la flemme vu que t'auras plus à aller chercher la bouteille. C'est parti, Dornot. Discord suck. Ah mais il y a un élite là, je l'avais pas vu moi. Attendez, cela remet tout en considération. Yes, il est mort, let's go. Bon, dites-moi que c'est enfin un bon collier. Ça me rend... Ah non, si. Plus de dégâts critiques, mais moins d'expertise. Bah, ouais, nique sa mère, on le prend. Raccoon, red raccoon. Attends, rallumer les flambeaux, ok. On va rallumer les flambeaux là. C'est ça le flambeau? Pas du tout. C'est ça le flambeau. Faut que je rallume combien? Juste un? Juste un bridou? Ok, non. Si, si, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que je vais faire là? Rien du tout. Bonjour, sœur Maggie. Ah, il doit avoir chaud, moi je pense toujours à toutes ces religieuses et même à ces religieux tout court qui doivent avoir chaud de fou là-dedans en vrai. Bon en hiver je pense du coup ça carie de fou, mais ils doivent tellement avoir chaud en été. Je fais comme le raton laveur dans les Gardiens de la Galaxie. Exactement. J'ai rêve. Puiser de l'eau. Oui, sœur Maggie, pourquoi j'ai fait ça? De rien. Ah les quêtes hein, ça c'est des vraies quêtes ça. Donc plein dans les mêmes RPG hein. Va chercher l'eau qui est à 2 mètres là parce que je peux pas le faire, tu sais, j'ai une entorse au cul. Moult raccoon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh il y a un ascenseur. OMG, c'est trop bien. C'est trop bien, il y a un ascenseur. Ah non, ça va être chiant. Parce qu'il va falloir l'attendre à chaque fois pour passer. Après, je compte pas repasser des années quoi. J'ai vu une bouteille de jus de pomme, je l'ai pris, j'ai failli boire de l'huile. Attends quoi, mais qui met de l'huile dans des bouteilles de jus de pomme? Et what the fuck? Quelle est cette sorcellerie? Appelez tout de suite les sorcières de toutes les comtés. C'est quoi, what the fuck là? Après ça aurait pu être encore pire, ça aurait pu être genre une bouteille de pisse. Pour vider la friteuse. Je vois. Après une bouteille de jus de pomme quoi. Après ça va. C'est démodé de pisser dans les bouteilles. Maintenant on pisse dans les tiroirs. Et dans les placards. Non, on peut pas sauter, ça dégoûte. Attends peut-être. Ça me dégoûte. Bon allez, on va attendre. Hein. Moi j'ai une pensée de Dutch là.
qui m'a dit ouais, je reviens vite. Jamais revenu. Je vais essayer dodo donc bonne nuit et amusez-vous bien. Bah, bonne nuit Cocox. Et attends 20 minutes quand tu reviendras me dire j'arrive pas à dormir donc je reviens. Je rigole. Je rigole, va te coucher, va te reposer. Et même si t'as envie de revenir, au pire ne reviens pas. Essaye de te concentrer sur ton sommeil, ça sera beaucoup mieux. Après si t'as rien de prévu demain et que t'es en vacances, en vrai c'est pas si grave. Mais si t'as besoin de sommeil, repose-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ma première cueillette. De rien Cocox, de rien. Oh, encore plus de cueillettes. Oh oui, je peux cueillir. Je suis en vacances le week-end bro. Oh nice. Moi ça doit faire depuis 500 ans que je suis en vacances. Est-ce que je vais quitter l'école? Ah Chao, c'est parler à la mauvaise personne hein, de lui dire de pas faire de bêtises. Hein. C'est Madame Bêtise. Hein. Utiliser la bombe anti-insecte, ah oui. F5. Trop bien. Je fais du meurtre d'insectes à la bombe. Où sont les insectes? Oula, il y avait un gros truc là qui est passé, là, une grosse ombre. Vous êtes sûrement un mec sur un cheval. Oh, t'es potion. Oh, j'ai activé le triport, ça régale. Je suis en zone. En zone C. Mais on me retire des semaines de vacances car j'ai fait plein de stages. Oh, des enculés. Ah, ouais, en clair. Comme Bibi vers la fin du mois prochain. Voilà, bref. J'avoue que c'est des bâtards. Hein. Mais ça, c'est. Ils adorent, hein, que ce soit l'éducation nationale ou les écoles, ils adorent genre en mode ah ouais, bah t'as eu un jour. Il y a un jour férié. Bon, on va faire en sorte qu'ils tombent à dimanche, quoi, hein, cette année. Comme ça, ils vont travailler, ces connards. Bref, bonne nuit, les gentils méchants. Oh, gentils méchants, gentils méchants. C'est pas vraiment méchant. Hein. Qu'est-ce que je fais là? Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait des trucs, hein. Des culs. Des cunes. La guerre est une chose épouvantable. Les yeux en PLS avec des culs. Ouais, non, mais ça fait mal. Hein. C'est pour ça que moi je regarde pas trop le chat, sinon je vais mourir. Hein. Et heureusement que j'ai pas encore activé BTTV. Hein, parce que ça, mon gars, c'est l'épilepsie assurée. Hein. Après, je vais peut-être activer. Et ça va juste de la chance de peut-être avoir un chat pas non plus des plus actifs parce que je viens de commencer, mais. Imagine la panique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Twitch raid. Enfin, j'avoue, le jour où je vais recevoir mon premier raid, je vais faire un de ces AVC, mon gars. Je vais être en mode... Ah, vous êtes des gens de quelqu'un qui est plus connu que moi et qui a la gentillesse de venir ici et qui aime ce que je fais. Je vais faire un AVC, je vais tomber dans les pommes. Je saurais pas quoi dire, les gens vont dire, mais c'est qui ce connard là qui sait pas parler? Ça va être terrible. Puis je vais dire vous une dinguerie. Je vais balancer alors, un banword qu'a répondu de stress le monastère de et ils vont faire, mais c'est qui ce psychopathe? Voilà, et j'aurai plus d'amis, tout le monde va me détester. Le mec beaucoup trop déprimé. Le mec qui pète un câble. Toutes ces cueillettes. Je bon, elle est déjà un peu plus belle cette zone que le putain village. De... Enfin, cette fin de zone, comparée à l'église toute dégueulasse qu'on avait tout là. Là, c'est déjà beaucoup plus joli. J'aime beaucoup. Ça ne va pas du tout. Ça ne va d'abord pas d'abord les tout. Pillages, et maintenant des enlèvements. Qu'est-ce que c'est que ça? J'accepte la quête. Maîtrise de la cueillette. Oh. Alors attends, la quête là elle est où? J'aimerais bien la localiser. Oh c'est juste, c'est pas très loin en plus, c'est trop trop bien. Et je pense que c'est réfléchi. Parce que vu que j'ai jamais eu de cueillage avant, jamais eu de cueillette, bah le maître. Et que maintenant je trouve des trucs où je peux cueillir, le maître de cueillette, c'est évident qu'il soit là quoi. Même tout à fait logique. Tant qu'il me restera en tout cas, un si souffle tu de vie, coller, je protégerai un le point luthéran. Dans la gueule au prince, ce serait cool. J'ai l'impression que tu l'aimes pas trop là. Après aussi, moi qui skip les dialogues ici au lieu de les lire, ça aide pas à le.
à en faire un symbole de gentillesse et d'appréciation. Ce qu'on a vu de lui, c'est qu'il pleurait comme une victime. Ok. Cueillir des plantes. Oh, nice. La quête tranquille. Oh, la quête Nyomi. Faut juste cueillir des plantes. Franchement, quand j'ai envie de me détendre, c'est tellement les meilleures parties du jeu. Parce que d'habitude, c'est vraiment les parties qui me font chier à crever. Mais par contre, quand j'y joue... Non. B. Je me suis encore trompé. Par contre, quand j'y joue, j'ai juste envie de me détendre. C'est tellement les meilleures parties. Là. Juste récolter des petites fleurs, là. Le plaisir. Après, s'il y a une partie... qu'est-ce que je veux dire ? Le truc aussi que j'aime bien faire quand j'ai envie de me détendre, c'est tout simplement quand je coupe les lives et que je joue un personnage où est-ce que je lis vraiment toutes les lignes de dialogue pour comprendre le jeu et comprendre le lore. Du coup, je passe juste du bon temps tout seul, c'est comprendre les trucs, à lire, à être tranquille. Mais qu'est-ce qu'il me veut, ce mérite là, tout le monde ? Faudrait que tu te renseignes, il y a un jeu culture nippon qui s'appelle Shenmue. Le fameux Shenmue. Oh yes, j'ai un certificat de cueillette. Après les Shenmue, je suis dégoûté parce que je crois qu'il y avait Shenmue 3 qui était gratuit sur Epic pendant une semaine, il y a un peu de temps déjà. Mais du coup j'ai pas pu en profiter. C'est un très bon titre pour Fight. Mais après, dans le même style de jeu de combat, ce serait cool à jouer, ce serait Sifu. Mais le problème, encore une fois, c'est que c'est sur Epic. Et franchement, j'ai rien contre Epic, hein, parce qu'il donne beaucoup plus d'argent aux développeurs que les autres plateformes et tout. Il permet d'accéder à des jeux gratuits, donc c'est des turbo frères. Mais vraiment, leur launcher, il bug tout le temps, il est pas très beau, il est chiant d'accès, je trouve. Du coup, c'est pour ça que je suis pas très fan de jouer sur Epic, et comme c'est une exclusivité Epic Sifu pour l'instant, et je pense que ça va le rester pendant un bon bout de temps, flemme de l'acheter quoi. Putain, imagine un jour on m'offre des jeux parce que je suis influenceur. Paradis. Ce serait pas avant 15 ans, ça au moins, hein, je pense. Assurez les villageois. Vous inquiétez pas, les villageois, regardez, je suis une héroïne. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? 5. Allez, en haut. Ok. Et ils m'ont déjà fini la zone. Putain, incroyable, ça va trop vite. Attends, et c'est quoi la zone? Elle s'appelle comment? Ah, le monastère. Ok, c'est pas ça. Parce qu'il faut que j'aille aux plaines guerroyantes. Et j'ai une carte au trésor là-bas. Oui, Epic Game est bien en termes de dev des jeux, mais c'est vrai que le store doit être révisé en termes d'orientation. Ouais, non, c'est... Et puis souvent, j'ai eu beaucoup de fois où ça buguait. Genre, c'était tout blanc avec des lignes de code qui apparaissaient. Je pouvais plus rien cliquer, je pouvais plus fermer l'application. Ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable, ça. Parce que Epic, c'est tellement fait avec le cul. Et du coup, c'est ça qui est dommage. Vous avez fait du bon travail. Parce qu'ils ont des tellement bons avantages. La milice de ce village a décidé de joindre ses forces au nôtre. Malheureusement, aucun de ces membres n'est en état de combattre avec nous. Qui te permet de faire beaucoup d'options. Et GOG, qui malgré aussi le fait que ce soit un peu vite fait, géré avec le cul, t'as l'impression que ça a 30 ans. Bah, du coup, tes jeux, ils t'appartiennent vraiment avec les... Comment ça s'appelle? J'allais dire les DMCA, mais c'est pas du tout ça. C'est... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, t'as tes jeux, ils t'appartiennent vraiment. Ouais, et Origin, qui achète sur Origin? C'est pas impossible, mais qui? Oh, chasse! Tu parles à un mec? Il est où? Ah bah, il est là. Bonjour. Il paraît qu'il y a des proies ici et tout, ouais. Outil de chasse novice. Ouais, j'ai jusqu'à la forêt de... Bill mon cul. Attends, c'est où la forêt de Bill? Perso, préfère le bon vieux support à l'ancienne. Genre quoi, console?
Ou alors Steam. Ah bah c'est juste la prochaine zone de la forêt qu'elle me demande d'aller. Ok. Ouais voilà. C'est des... Oh putain oui. Des vieux vieux bails. Oh y'a un élite. Faut que je prenne avant lui. Je voulais arrêter là mais il faut que je prenne l'élite. Vite vite avant de me faire niquer. Oh je peux démonter l'élite. Y'a là. A, B. Z. Oh merde. Ok, c'est comme ça. Je vois. C'est comme ça la chasse. Ouh, ça a pas l'air des plus fun la chasse. Hein. Ça n'a pas marché. Chercher une proie pour lancer correctement. Soigner un cuir en dépeçant la proie. Alors je veux bien. Hein. Mais avec l'autre connasse qui est en train de me voler tous mes lapins là. EG. Ah let's go, ça a marché. Et voilà. Merci bien. Oh un meilleur truc de trappe, let's go. Et un meilleur truc de cueillette. Trop content. Un bâton moins bien. Dégâts critiques je prends. Je prends aussi. Bon. Eh ben écoutez, on a des coups. Oh elle est grande aussi. Oh mais il y a un grand donjon. Mine du menton gris. Un gros donjon là, ça régale. Ça c'est vraiment très bien. On aura de quoi vraiment s'amuser après avoir fait les quêtes. Et du coup de mon côté, hop, choix du perso. Oui. Parce qu'en fait si on fait abandonner, en fait on quitte directement le jeu. Et ça c'est une catastrophe si on est en période où il y a beaucoup de joueurs. Parce que c'est à dire qu'il faut refaire la queue. Et refaire la queue c'est attendre une heure. Oh remettez-moi les graphismes, merci. Parce que je suis pas en ultra, je suis en élevé. Sous les conseils de Erax. Comment ça ça lag? Qu'est-ce qui lag là? On est sur un écran de base. Y'a rien qui lag. Enfin, en tout cas, y'a rien qui me dit que ça lag. Genre, Streamlabs est à fond. Le jeu est nickel. Après, c'est peut-être parce que ça a quitté le jeu et que c'est pour ça que ça a lagué, je sais pas. En tous les cas, ça va bien chez moi. Le rendu est bien. Normalement, chez vous aussi, il doit être bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je sais plus du tout. Bref, je vais arrêter là. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et franchement, quelle journée de fou. J'ai commencé la journée à 11h du mat. En faisant 2h de live, puis 4h. Puis 4h encore là et plus. Et on a eu... Ah, sur tel, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 follow aujourd'hui. Hein. On a quasi fait la moitié de ce qu'on avait de base. Hein. C'est une dinguerie, hein. Aujourd'hui, ça a été très très productif. Bon, j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui vont unfollow parce qu'ils avaient l'air d'être venir un peu en mode follow chez moi et viens voir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je suis quand même content. Il y a des gens qui sont passés. Ils étaient très gentils. Ils ont discuté. Ils étaient très cool. C'était un pur plaisir. Bon, moi, je vais vous souhaiter une excellente nuit. Allez dormir. Allez vous reposer. À moins que vous commencez le travail ou je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, moi, je vais aller me coucher, me pioter comme une merde. Ça va me faire un bien fou. Je vous dis merci d'être passé. Bonne nuit. Et sûrement demain. Allez, des bisous.